Ça veut dire que j'aime la mode et que j'aime la beauté, mais ce que j'aime par-dessus tout, ma toute première passion, c'est la photographie. Je fais tout le temps des photos, je saoule tout le monde avec mes photos parce que j'ai tout le temps envie de m'arrêter quelque part pour faire une photo de la rue, du ciel, des oiseaux, peu importe tout. Et du coup, il y a une petite application, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Instagram, c'est un endroit où on partage nos photos. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas vous montrer comment je retouche mes photos Instagram, parce que je pense avoir ce qu'on appelle un Insta de blogueuse type, c'est-à-dire qu'il est très travaillé, que j'y passe beaucoup de temps. Du coup, je vous montre les backstage de la photo Instagram d'une blogueuse. J'utilise uniquement, ou la plupart du temps quand je l'emporte avec moi, mon appareil photo. C'est le Canon EOS 600D avec l'objectif 50mm. C'est l'appareil photo que j'utilise pour faire les photos avec mon blog. Je le conseille vivement, il est pas trop cher par rapport aux autres. Il a une très bonne qualité malgré le fait que ce soit pas un appareil photo qui coûte 4000€. Par contre, il est un petit peu lourd, donc du coup les jours où j'ai la flemme, je prends mon Canon G7X. C'est ma petite caméra de vlog qui a un écran rétractable et qui fait quand même de très très belles photos. Voilà, elle est toute légère, elle est toute petite, donc dans le sac ça rentre toujours. Et comme ça, je peux l'emmener avec moi partout. Les jours où j'ai pas mes caméras, c'est mon iPhone bien évidemment. C'est le plus rapide et le moyen le plus facile. Mais la qualité diffère beaucoup entre un appareil photo et un iPhone. Ça, c'est des photos que j'ai prises avec un iPhone. Et ça, c'est des photos que j'ai prises avec un appareil photo. Après avoir fait votre photo, on va passer aux retouches. Grâce à un outil très technologique qui s'appelle le câble, vous pouvez voir ce qui se passe sur mon iPhone ici. Donc voilà, il est 7h26 et j'ai mon copain en fond d'écran. Du coup, quand j'arrive sur mes photos, généralement quand je fais une photo avec un iPhone, j'ai besoin d'avoir plusieurs photos en stock pour savoir laquelle je vais choisir. Et quand il y a une qui me plaît, tout simplement je la mets dans mes favoris. Comme ça, c'est plus simple après d'aller dans mon dossier des favoris et de retrouver la photo pour aller la retoucher. Pour vous montrer un peu comment je retouche mes photos, j'ai décidé de prendre 3 photos différentes. C'est toujours un petit peu compliqué de donner une retouche type parce que chaque photo est différente, la lumière n'est jamais la même sur 2 photos. J'essaie de prendre 3 photos qui sont assez différentes pour que vous puissiez voir comment ça se passe. La première photo, c'est une photo ce qu'on appelle OOTD, donc Outfit of the Day, prise avec un iPhone. Donc voilà, le mur n'est pas très propre, j'ai l'air un petit peu petite, ça me plaît pas. La deuxième photo, c'est une photo de moi encore Outfit of the Day, pour vous voyez un peu la différence entre les deux qualités. Celle-ci était prise avec l'appareil photo. Sauf qu'on voit tout de suite qu'elle est pas très bien cadrée, qu'elle est un peu de travers, les couleurs sont pas hyper jolies. Et la troisième, qui est ma préférée, c'est une photo de mon chirashi, donc le truc que je mange tout le temps au japonais. Alors voilà, j'ai mes 3 photos et on va passer aux applications. J'utilise 2 applications qui sont toutes les gratuite pour retoucher mes photos. La première, c'est Snapseed, qui est une application créée par Google, qui est juste géniale. Comment j'ai fait pour faire sans avant? Ça peut transformer une photo qui est vraiment dégueulasse à la base en la rendant propre, jolie. Donc Snapseed, c'est gratuit et je vous conseille vivement de le télécharger. Première chose que je fais, c'est que je vais cliquer sur retouche pour faire les retouches de base. Donc j'ai la luminosité, le contraste, la saturation, ambiance, ton clair, ombre et la chaleur. Moi, généralement, je ne touche qu'à la luminosité, au contraste et à l'ambiance. J'augmente ma luminosité parce que le mur est un petit peu sale. J'aime bien quand les murs sont bien blancs avant et après pour la luminosité. Je vais ensuite mettre du contraste. 26, ça me paraît bien. Pas de saturation, un petit peu d'ambiance. Je baisse l'ambiance pour que ce qui est au milieu de la photo ressorte mieux. Ton clair pour ce mur blanc qui est dégueulasse. Et puis un petit peu d'ombre pour rajouter le contraste. Voilà. Par contre, on voit toujours que le mur est sale, il n'est pas blanc, il n'est pas blanc éclatant. J'aime pas trop les couleurs de la tenue, je trouve que ça rend pas très bien, donc du coup, je vais venir dans sélectif. Sélectif, c'est le truc le plus ouf que vous avez jamais vu. Je peux choisir à quel endroit de la photo je vais mettre de la luminosité, à quel endroit j'ai envie de mettre du contraste, à quel endroit j'ai envie de baisser la saturation, etc. Du coup, le mur qui est assez blanc, je vais venir rajouter de la luminosité. Et on voit tout de suite la différence. Et je vais venir baisser la saturation pour qu'il soit vraiment blanc propre. Je vais faire pareil ici. Alors j'ai juste bien délimité le périmètre où je veux que la retouche aille. Donc là, hop, je vais baisser la saturation. Pareil pour le mur gris qui est en dessous, qui est encore un petit peu sale. Hop, la luminosité, on baisse le contraste. Sur la route aussi. Sauf que le problème, c'est que des fois, ça déborde un petit peu sur ma tenue et sur moi. Donc je vais venir mettre du contraste sur moi. Hop, sur ma tête. Pareil sur mon pantalon qui est de base beaucoup plus rose que ça. Donc on va mettre un petit peu de saturation pour la couleur. Hop, pareil pour mon t-shirt. Je délimite où je veux que la retouche soit. Et je mets un petit peu de saturation.
Et le truc, c'est que j'ai l'air un petit peu petite. Je fais 1m65, donc du coup, c'est pas très grand. On vient toucher à transformation. Et je vais venir m'agrandir comme ça. Et oui, c'est ça la triche. Donc ma photo sur Snapseed est retouchée. Et après, je viens tout de suite dans VSCO. Alors, VSCO, je sais pas comment vous l'appelez. Moi, je dis VSCO. Dans VSCO, je vais venir importer ma photo et mettre mes petits filtres. VSCO, c'est une application qui est gratuite. Ils ont également à la fin un petit shop où vous pouvez acheter des... Vous pouvez acheter des filtres qui sont très jolis. Vraiment, il y en a pour tous les goûts et la plupart des blogueuses utilisent ces filtres-là. Alors, moi, j'utilise toujours le même, c'est le A5. Qu'après, je vais venir diminuer pour pas avoir un truc trop fake. A5, ça me parlait bien. J'aime bien. Sinon, après, vous avez d'autres filtres, c'est des beaux noirs et blancs. C1, généralement, des fois, il y a aussi le F2 que j'utilise occasionnellement. Ibis, qui est sympa aussi. Et un que j'utilisais tout le temps avant, mon ancien filtre, c'était ça. C'était le T1 que je mettais tout le temps sur toutes mes photos. Je l'adorais. Je suis passée à autre chose. Maintenant, c'est A5. C'est un petit côté violet, un petit côté rose que j'aime beaucoup. Donc, du coup, je viens l'enregistrer sur la pellicule. Voilà. Je vais faire la même étape pour les deux autres photos. La photo, donc je retourne sur Snapseed. On passe à VSCO. Ça, c'est le moment où tout change. On passe d'une photo moche à une photo belle. Je vais mettre mon petit filtre. Hop. Donc voilà, ça va être tout de suite plus instagrammable. Hein. Plus fashion. J'enregistre la photo et ensuite je prends mon shirashi et je fais pareil. A5 ou A6, allez, A6, soyons faux. Enregistré. Alors ensuite, moi je me suis créé un faux compte Instagram parce que j'aime bien avoir un feed cohérent et pour ça je m'aide et je triche. Je me suis créé un compte qui s'appelle Test Instalena. Si vous voulez aller me suivre, ça sert à rien parce qu'il est en privé. Et du coup, vous pouvez voir, moi j'en suis à cette photo-là sur mon Instagram en ce moment. Et j'ai déjà prévu toutes les photos qui vont venir après. Elles sont retouchées, etc. Comme ça, je peux organiser mon feed. Par exemple, cette photo de pizza qui est en forme de cœur, et ben, je trouve qu'elle va pas avec cette photo-là. Donc du coup, je vais venir la supprimer. Et je la reposterai pour voir si dans un moment ou un autre, elle sera bien, elle sortira mieux. Donc là, je vais voir cette photo-là si elle passe dans mon feed. Sinon, je la garde pour plus tard, c'est pas un problème. Parce que le truc, c'est que je travaille toute la semaine et je vais en cours toute la semaine. Donc du coup, c'est généralement le week-end où je vais faire mes photos. Et comme ça, ça me permet d'avoir un petit stock de photos que je posterai tous les jours petit à petit pendant que je suis en cours la semaine. Ah, pas folle la guêpe, hein. La photo de Shirashi, on va voir si elle passe bien ici. Voilà, ça rappelle les couleurs de mes petites pâtes au pesto. Donc voilà, comme ça, ça m'aide à avoir mon feed cohérent et le travailler de temps en temps, enlever une photo, en rajouter une. Donc voilà. Donc, pour que vous puissiez bien voir la différence entre les photos avant et après, voici la photo de ma tenue avant et ma photo de ma tenue après, faite avec un iPhone. Ma photo avant avec l'appareil photo. La photo après. Et ensuite, la photo de mon shirashi avant et après. Alors un petit conseil, si vous voulez avoir un filtre cohérent, vous savez pas trop lequel vous voulez et surtout vous savez pas quel filtre choisir parce que c'est vrai que sur VSCO il y en a des tas et sur Afterlight aussi, je vous conseille d'aller sur Pinterest et de marquer Instagram Theme ou Instagram Template, comme ça vous avez des idées de feed. Et surtout, si vous marquez Instagram VSCO, vous avez des feeds qui sont déjà faits avec les retouches intégrées, donc du coup vous savez de quoi ça parle, quel filtre ils ont utilisé, combien ils ont rajouté de luminosité, de contraste, etc. Donc ça peut vous aider. Vous pouvez également faire, si il y a un compte Instagram d'une blogueuse qui vous plaît, comme Noelita ou Mariana Hewitt ou Chiara Ferragni, peu importe, vous tapez sur Pinterest template Noelita et vous aurez le filtre qu'elle utilise ou alors un truc qui y ressemble. Donc voilà. Un autre truc que je vais vous montrer si vous aimez faire des photos, ça s'appelle Spot Air. Alors Spot Air, c'est une application qui vous montre les meilleurs endroits pour faire des photos dans Paris. C'est hyper pratique.
que ce soit pour faire des photos ou tout simplement pour aller voir des beaux endroits et assez insolites dans Paname, c'est grave sympa. Donc voilà, il nous montre par exemple des endroits où il y a de la couleur, on peut choisir, voilà, recréer mieux bien évidemment. Il nous montre également des endroits où il y a du street art, donc on a la rue d'Aix, marché de la liberté, des endroits avec de la géométrie pour avoir une belle perspective de photo, des néons. Donc voilà, c'est une application qui est assez utile si vous cherchez toujours des endroits où faire des photos, si vous êtes un petit peu en rade d'idées. Grave sympa. Moi j'avais été grâce à eux dans des endroits auxquels je ne connaissais pas alors que ça fait 19 ans que j'habite à Paris. Donc voilà, il y a plein de trucs un petit peu cachés, un petit peu insolites, c'est vraiment une application top et ça s'appelle Spot Air. Donc voilà, c'était pour mon Instagram, c'est comme ça que ça se passe. Après bien évidemment, vous allez peut-être pas aimer la façon dont je retouche mes photos. Voilà, vous avez peut-être un style différent pour les filtres ou quoi que ce soit. Après les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. J'espère que ça vous a aidé pour trouver quelques petites idées de retouches. Snapseed, c'est une application qui est vraiment géniale et qui est pas assez connue je trouve parce qu'elle est vraiment top. C'est mieux qu'un Facetune qui va vous rendre une photo vraiment très ou trop retouché, c'est pas, enfin, ça fait souvent fake avec Facetune. Snapseed c'est que du propre. J'aimerais bien voir vos comptes Instagram et voir si vous utilisez quelques-uns de ces tips. Laissez-moi en commentaire tous vos comptes Instagram, comme ça j'irai vous voir, j'irai liker vos photos parce que je suis très curieuse et on va voir à quoi ressemblent les gens qui me suivent, c'est marrant. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Sur Insta mon nom c'est Lena Mahfouf, LENA MAHFOUF. C'est pas le nom le plus simple, je vous l'accorde, mais c'est mon nom. Et si ça vous intéresse, je pense à faire une vidéo pour montrer comment faire de belles photos Instagram, pas seulement pour la retouche, mais sur la façon de shooter vos produits, de shooter vos tenues, des selfies, quoi que ce soit. Je peux toujours vous donner ce que j'ai appris sur le terrain, entre guillemets. Donc voilà, on se voit la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à mettre en commentaire vos comptes Instagram, je compte sur vous. Allez, ciao, à la semaine prochaine.